On termine cette émission Midi chez vous à Hesdin, aujourd'hui à la Belle Époque, avec Christophe qui tient à nous faire découvrir une de ses curiosités ici à la Belle Époque. C'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur qui date des années début 80, 1980, je précise bien, vu les personnages qui sortent de chez nous, là, de la cave. Oui, c'est pas 1280. Non, pas du tout. Alors, c'était Madame Pellerin qui avait instauré ça pour les livraisons. Voilà, le matériel, un petit peu tout. Et ça provient de la commune de Albert, dans la Somme. Très bien. Et qu'est-ce qui est curieux, c'est que le téléphone, c'est le téléphone 307. Ben oui, il n'y avait pas 10 chiffres à l'époque. Alors merci de nous avoir fait découvrir cet ascenseur, Christophe, et puis nous avoir surtout fait monter, messieurs, Sébastien Landrieux. C'est vous, Sébastien ? Oui, c'est moi. Non. Alors, on va laisser l'ascenseur redescendre, on n'a pas beaucoup de place, mais on va essayer de faire face aux caméras quand même pour montrer vos magnifiques costumes et uniformes. Ça y est, Christophe, on peut y aller ? Bon. Ok, c'est bon. Alors, Sébastien, et vous-même, monsieur, vous êtes ? Alain Guillemont. Alain, vous avez de magnifiques costumes qui datent du Moyen-Âge, j'imagine, puisque vous êtes les Amis du Vieil Hesdin, c'est bien ça ? Oui, nous représentons l'association des Amis du site historique du Vieil Hesdin. Donc le but de l'association est de faire vivre, revivre, faire découvrir et redécouvrir l'histoire de l'ancien Hesdin. Donc il faut le savoir qu'avant 1553, la ville d'Hesdin ne se situait pas ici, mais à 5 km en amont de la Canche. Donc... la ville a été détruite en 1553 par Charles Quint, qui un an plus tard a fait construire la nouvelle ville d'Hesdin. Et aujourd'hui, vous, avec vos amis, vous essayez de maintenir cette histoire du vieil Hesdin. On essaye de la faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas ce passé glorieux de l'ancien Hesdin. Oui. Et donc, on part différentes animations. On a un espace historique où on présente des objets trouvés sur site. Alors, par exemple, vous devez apporter quelques... Alors, il y a un livre ici qu'on pourra montrer ensuite. Et puis, il y a ici un boulet de canon. Oui, c'est un boulet de canon. Celui-ci fait 7 kilos. Donc, il a servi dans les derniers sièges d'Hesdin, donc en 1553. Et vous imaginez que ce genre de boulet fasse une forteresse principalement construite en craie. Bon, ben, c'est incroyablement lourd. C'est incroyablement lourd. Je voudrais pas recevoir ça sur la tête. Ouh. Plus gros, qui font plus de 25 kilos. Donc ensuite, nous avons d'autres objets, tous trouvés sur site. Donc par exemple, là, vous avez une matrice de seaux. Donc soit d'un meunier ou d'un marchand de blé, parce qu'on retrouve une gerbe de blé, et au nom de Florent Marissal. Et qui daterait de quelle époque ? Voilà, c'est du 14e. Ah oui, d'accord. Donc ça remonte au Moyen-Âge carrément. Après, vous avez un petit carreau d'arbalète. Oui. Donc carreau d'arbalète ou les arbalétriers et les archers aussi, il y avait des archers. On en parlera dans un instant, des arbalètes, oui. Devaient s'entraîner chaque dimanche pour défendre la ville en fait. D'accord, très bien. Donc ensuite, vous avez un poids de ville. Donc on voit très bien le blason de la ville. Je ne sais pas si on voit. Donc c'est un poids officiel. C'est le poids officiel en vigueur dans la ville. D'accord. Pour peser les marchandises dans les échanges commerciaux. Voilà. Alors, on aura le temps de décrire toutes les jolies pièces que vous nous avez apportées, Sébastien. Mais on peut les voir, ces pièces, dans un espace que vous avez réservé. Oui, donc au niveau de Vieil Hesdin, on a créé depuis 2009 un espace historique où vous pourrez retrouver tous ces objets exposés et trouvés sur site. Donc l'espace historique est ouvert d'avril à octobre et tous les premiers samedis du mois. Après, on peut aussi le découvrir lors des Journées du patrimoine en D'accord. septembre. Et puis vous avez vos uniformes, vos costumes qui sont magnifiques, qui ne sont pas d'époque, mais enfin que vous avez, j'imagine, reconstitué d'après des modèles très anciens. Et puis des armes qui sont très belles également, sont aussi des reconstitutions. C'est des armes d'époque, enfin reproduction d'époque. Donc là, vous avez une dague à rouelle, et là une épée. C'est quoi la dague à rouelle ? En fait, les rouelles, c'est à cause des deux rouelles qui D'accord. sont là pour protéger. Mais c'est une attaque, ça servait pour au corps à corps, en fait. Oui, pour enfoncer dans le ventre de l'ennemi. Voilà, pour le finir. Si on perdait l'épée et qu'on était au corps à corps, on finissait. À quoi vous servent ces armes et ces costumes ? Vous participez à des reconstitutions historiques également ? Non, on s'en sert pour faire la visite guidée, pour l'espace historique. Et moi, je m'en sers pour les fêtes médiévales, en tant que spectateur, on va dire. Tous ces objets, vous les avez trouvés ici, dans le Vieil Hesdin, dans des fouilles archéologiques ? Non, c'est tous des dons et des prêts des habitants qui retrouvent ça dans leur jardin. Ah oui, vous creusez, vous pouvez retrouver aussi ce genre d'objet, oui. Qui est une ampoule de pèlerin.
Donc on voit très bien la coquille Saint-Jacques, le Saint-Jacques de Compostelle. Et en fait, un moine ou une personne désirant faire son pèlerinage à Saint-Jacques, aller là-bas. Et au retour, en fait, c'est un récipient en plomb. Et d'accord. Dedans, il y a une relique. Ça pouvait être de l'huile sainte, d'accord. un peu de terre de Saint-Jacques ou une étoffe. Et ils scellaient, ils accrochaient ça au costume. Très bien. Qu'il avait bien fait le pèlerinage. Très bien. Ben, messieurs, merci beaucoup. Merci aux amis du Vieil Hédin. Et longue vie à vous. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'ancien Hédin et du nouvel Hédin, donc il y a le dernier livre qui a été sorti en fin d'année. Et aussi, vous pouvez consulter notre site internet www.levieilhedin.org. Voilà, ce sera le mot de la fin de conclusion. Merci à vous. Merci aux amis du Vieil Hédin. On parlait d'Arles.